Bienvenue à l'école numérique Mashindano. À présent, nous avons la leçon de technologie. Avant de commencer la leçon de technologie, vous allez observer la situation que je vais vous présenter ici. D'abord, ça c'est quoi? Ça, c'est le fil électrique. Et ici, nous avons la pile. Quand on essaie de mettre le bout du fil sur la borne négative et l'autre bout sur la borne positive, maintenant on met ici la lampe. Qu'est-ce que vous allez constater? La lampe va éclairer. Alors, en technologie ou encore en électricité, c'est ce qu'on appelle les circuits électriques. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons étudier les fonctions électriques élémentaires. Fonctions électriques élémentaires. Voilà. Olivier est un élève de la sixième année primaire. Maintenant, dans sa maison, il voit des piles, il voit les fils, il voit la batterie. Chaque soir, il voit des lampes qu'on allume. Alors, il ne sait pas comment expliquer tout ce qu'il voit là-bas. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'aider à expliquer ces objets électriques qu'il voit? Nous allons expliquer ça dans le premier chapitre qu'on appelle les fonctions électriques élémentaires. C'est pourquoi vous allez essayer de suivre le schéma que je vais tracer au tableau. Alors, eh bien, là nous avons le premier schéma. Nous avons la pile là et le câble qui doit conduire le courant jusqu'à la lampe là-bas. Nous avons aussi un autre câble qui doit conduire le courant là-bas. Maintenant, on va relier les deux lampes pour qu'ils puissent s'allumer en même temps quand on va toucher sur l'interrupteur pour les allumer. Vous voyez, les deux lampes là-bas se suivent, on les a reliées par un câble, c'est ce qu'on appelle les circuits en série. C'est ce qu'on appelle les circuits en série. Maintenant là-bas, au lieu du circuit en série, nous avons maintenant la première lampe et la deuxième lampe là-bas. De la borne positive, il y a un câble qui va jusqu'à la première lampe
Et de la borne positive, il y a une autre qui va jusqu'à la deuxième lampe. Alors, quand on va toucher sur l'interrupteur, les deux lampes vont s'allumer en même temps. Ce n'est pas en série comme ici, mais c'est en parallèle. Là-bas, nous avons les circuits qu'on appelle les circuits parallèles. Les circuits parallèles. Avec des piles à la maison, chacun va essayer de faire l'exercice. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.